En basse saison, la clientèle francilienne est devenue prédominante à l'aéroport Sainte-Catherine. Car il est désormais possible de quitter Paris le vendredi en fin de matinée pour repartir sur la capitale le dimanche soir ou lundi matin en vol direct. J'ai une maison ici, j'ai une maison à Paris, j'ai une vie à Paris, j'ai une vie ici. Voilà, différente, mais en même temps complémentaire, donc c'est formidable. On va profiter de la beauté de votre île, que nous adorons tous. Cette clientèle, souvent propriétaire d'une résidence secondaire sur Île Rousse ou Calvi, représente une embellie commerciale pour les restaurateurs de Balagne. On a des clients qu'avant on voyait que l'été justement, et maintenant ils viennent l'hiver parce qu'ils ont sûrement ou acheté un appartement, ou ils louent, ils font des locations. Ils viennent aussi pour les vacances de la Noël et les vacances de février d'ailleurs. Il faut dire que la Corse présente un cadre exceptionnel. Peu d'îles offrent à la fois un littoral à l'eau cristalline avec en arrière-plan des sommets enneigés. On en profite, ouais, là c'est vrai qu'il n'y a personne. Les enfants ils se régalent, nous aussi. Puis là il fait bon, le soleil, c'est agréable. Cette clientèle hivernale venue en avion a augmenté de 18% par rapport à février 2018. Un programme culturel a été mis en place par l'Office de tourisme de Calvi pour lancer la saison touristique. Cette année, nous allons miser sur un bel événement qui est le 250e anniversaire de la naissance de Napoléon Bonaparte. Et la programmation donc, autour de cet événement démarra en avril, donc plus tôt que prévu. Un programme qui devrait cette fois attirer des visiteurs du monde entier. Merci.